Bienvenue, mesdames, dans cette vidéo où aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus réaliser l'erreur que vous commettez toutes et qui vous empêche de vous épanouir dans une relation. En matière de vie sentimentale, vous avez tendance aujourd'hui à vous lancer dans des relations instables. Un homme qui n'a pas de stabilité émotionnelle, pas de stabilité professionnelle. Un homme qui se montre également différent du jour au lendemain, lunatique. Alors, mesdames, aujourd'hui, vous allez devoir apprendre à contrôler vos envies pour ne plus jamais vous lancer dans une relation instable. Vous devez comprendre que le temps ne joue pas en votre faveur. Vous devez comprendre aujourd'hui également que vous n'allez pas pouvoir conquérir le cœur d'un homme si il se montre désintéressé, lunatique, pas forcément investi dans la relation. En réalité, vous allez vous accrocher à un espoir qui va vous tuer à petit feu. Alors, c'est l'erreur que vous commettez toutes, parce que vous avez tendance à vouloir aller au bout des choses. Et je vous comprends. Bien évidemment, quand on se lance dans une relation, quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a un réel feeling, vous savez, quand vous le sentez au fond de vos tripes, vous avez envie d'aller au bout des choses. Vous avez envie de vivre une histoire magique. Mais si vous vous rendez compte que cet homme-là n'est pas investi comme vous, n'est pas assez stable, ne vous montre pas qu'il est capable de se contrôler également pour ne pas vous manquer de respect, pour vous donner l'attention que vous méritez, alors oui, vous allez devoir mettre un terme à cette situation. Ne vous lancez jamais dans une relation qui n'est pas stable dès le départ. Alors à cela, il est vrai que je vois des personnes qui en demandent toujours trop. Si c'est votre cas, mesdames, prenez votre temps. Avant de vous emballer, avant de lui dire « je t'aime », avant d'attendre qu'il vous dise des mots doux, prenez votre temps. Vous ne devez jamais vous précipiter ni faire preuve de dépendance. Une relation se construit petit à petit, mais avec des bases stables. J'insiste vraiment là-dessus. Alors, partagez cette vidéo. Envoyez-la à toutes vos amies, toutes celles qui font l'erreur de se lancer dans une relation, en se disant « je suis sûr que j'y arriverai ». Parce que très rapidement, c'est une désillusion, c'est un espoir auquel vous vous accrochez, et espoir qui va en réalité être fatal, puisque vous allez souffrir. Et c'est comme ça que les chagrins d'amour se forment. Alors, partagez cette vidéo, commentez-la juste en dessous, et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.